troisième partie de la vidéo. Donc faut que je me dépêche un petit peu parce qu'il faut que j'aille chercher mon fiston à l'école. Présentation donc là du Kyosho, une nouvelle boîte. Donc c'est Audi. Audi. Derrière, il y a bon comme avant hein, toute la collection. Mais on ne sait pas, moi je ne sais pas ce que c'est comme modèle. Donc voilà, j'ouvre délicatement. Je découvre en même temps que vous. Et c'est une Audi A4 encore. Non, oh là là, S6. S6, donc ça c'est le haut de gamme de Audi. Hein. S6 Audi Kyosho, donc noir. Donc c'est vraiment la voiture du chef d'entreprise par excellence. Voilà, très jolie finition. Vraiment très sympa, donc Kyosho. Donc je vous ai dit, ça c'est une marque que je n'avais pas avant de recevoir le colis. Maintenant, autant dire que ça me fera pas mal de modèles pour cette marque. Et vu la qualité que c'est, je serais bien tenté d'en commander hein, quelques-unes. Voilà. Tiens, on est sûr. Alors là, on va passer toujours du Kyosho. Donc je pense que même la fin, c'est que du Kyosho en fait. Voilà, Kyosho, on va passer, ça c'est une Porsche, donc à Porsche Collection. Voilà les modèles proposés. Donc la Spider, la 911, 918 Spider, 911 GT3R, 911 GT3RS, 911 Carrera GTS, 911 Speedster, Panamera Turbo, 911 Turbo S et 911 Carrera S. Encore autant de significations. Chez Porsche, voilà, les 911, il y en a à l'appel et elles sont toutes différentes. Voilà, alors on va voir, souvent c'est sur que le moteur qui change. Alors là, c'est la 918 Spider. Bon, ça, la boîte, elle est un petit peu cassée, mais ça, c'est pas grave. Alors, ben voilà, on va tout simplement sortir pour voir la qualité, tiens. Hop. Pour la vidéo, voilà, je la regarde, elle est très 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 jolie, regardez. Donc c'est vraiment de la miniature de très 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 bonne finition, très jolie, donc Kyosho, hein. Très 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 sympa, hein. C'est vraiment très joli, hein. Ça me fait penser un petit peu au Schuko, marque allemande, au niveau finition et tout. Mais peut-être plus de haut de gamme que Schuko. Bon, Schuko, je connais mieux parce que, tout simplement, avec ma proximité allemande, je peux en acheter plus souvent. Quand il y en a, donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Pour cette miniature. On va passer au modèle suivant. Je me dépêche. Tac. On va garder la plus belle pour la fin. Encore une Porsche. Là, je vous montre pas la collection. On va passer à l'ouverture. Hop, hop. Donc, les boîtages, ouais, sont marrants, hein, tous ces boîtages. Donc, ça, c'est la Panamera Turbo de chez Porsche. Porsche Kyosho. Porsche Panamera Turbo du fabricant Kyosho. Au 1/64e. Très 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 joli, donc en gris, c'est très sobre, les rétroviseurs ils sont très fins, je sais pas si on le voit là sur la vidéo, voilà, très 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 sympa ça, voilà voilà voilà, bon, merci à, merci encore Guillaume hein, pour tout ça, bon il m'en reste deux dans le colis, deux, pouf, Ferrari. Ferrari, donc là la collection avec les modèles Ferrari Kyosho qui sont dispo. Et à première vue, c'était une voiture à monter. Alors, je sais pas si elle est démontée, si elle est à monter, si elle est démontée, elle est automatiquement à monter, ou si elle est déjà montée. Je pense que tu as dû la laisser monter dedans. Hein. Je sais pas trop comment ça se présente. En vrai. Oh là, je m'attendais pas à ça. Ferrari, en principe, tu t'attends à du rouge.
Et là, c'est pas du rouge, c'est du noir. On va essayer de mettre ça comme ça. On sort la miniature pour montrer. Alors, il y a double protection. Il y a la coque de protection là. Et il y a même encore un petit plastique de protection. Alors, SA Aperta. Ah oui, très bien. D'accord. SA Aperta. Alors là, voilà. El Blanco. 'Incapable de vous dire quel modèle c'est. Tout simplement. Alors là, j'ai le trou, le bug. En tout cas, elle est très jolie. Regardez, c'est vraiment de profil, elle est nickel. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Quel modèle c'est. De toute façon, je regarderai vite après quand j'aurai filmé, fini de faire la vidéo. Quel modèle c'est. Voilà, alors super beau, super beau, super beau, super beau. La petite protection. Et mon fils qui me dit dépêche-toi, sinon je vais être à la bourre à l'école. Hop, hop. Ça serait ballot quand même. Voilà. Tu vas mettre dedans. Juste comme ça, tu la poses. Voilà. Et le dernier modèle. On finit avec du Lamborghini. Donc là, c'est une Lamborghini spéciale édition collector. À première vue, il m'a dit numéroté ou je sais pas quoi. Donc ça serait la Huracan LP 620 de Super Trofeo. Donc là, ça serait une édition limitée. Mini collection. Donc là, il y a le badge Lambo. On va voir un peu, et elle est terrible aussi, oh là là, quand on la voit comme ça. Alors, édité à combien d'exemplaires, je ne sais pas. Tiens, je vais encore poser ça comme ça là-haut. Voilà, et elle est littéralement... Faire gaffe à pas la casser. Elle est terrible. Bon, là en noir, peut-être avec ma lumière, on voit peut-être pas trop la finition, mais je peux vous dire qu'elle est hyper fine. Super bien fini, l'aileron il tient, tu sais même pas comment, parce que t'as pas envie d'y toucher, parce que sinon t'as peur de le casser. Les rétros, bah, c'est pareil, c'est à prendre avec très grande précaution. Waouh. Voilà, voilà, voilà. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Attention. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Comme dit, c'est une vidéo en trois parties. Ouverture d'un colis exceptionnel. Vous voyez la taille du colis par rapport à mes épaules. Donc c'est la taille de mes épaules. En ouverture d'un colis, donc une grosse commande d'un ami que j'ai fait. Il s'est séparé de sa collection. Et j'ai claqué mon budget mensuel pour ce colis. Donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un gros commentaire, à dire quel modèle vous préférez. Pouce bleu, hein, bien sûr, comme d'hab. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!